l'honneur de vous présenter mon projet le plus important, euh, sachant que j'ai à peu près 5 ans, enfin je disais euh, à l'époque ça a commencé en 2019, donc il y a 5 ans, et je me suis dit dans 10 ans c'est là où j'habiterai, un truc comme ça, en 2029 donc. Aujourd'hui on est en 2024, on a parcouru la moitié du chemin en temps en tout cas. Est-ce qu'on a parcouru la moitié du chemin en accomplissement euh, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a une partie forcément qui se voit pas dans le dans l'accomplissement. Donc euh, peut-être qu'on a parcouru une partie du chemin. C'est sûr, on a fait du chemin. Est-ce qu'on a fait la moitié Je ne sais pas. Forcément, le projet il évolue. Hein. Depuis cinq ans, on peut pas vouloir toujours la même chose. Depuis cinq ans, donc forcément, ça a changé depuis cinq ans. Mais là, je je crois savoir ce que je veux à peu près. Aujourd'hui en 2024, on est le 16 septembre 2024, j'ai 2-3 jours pour monter la vidéo et pour la publier. Elle doit sortir le 19 septembre. J'ai rarement fait de, des, des timings aussi serrés, mais bon, on va essayer, on va le faire. Donc voilà, vous avez vu dans l'intro, dans le générique de la vidéo, hein, le, la petite liste de véhicules que j'ai que fait, que je voudrais avoir. Bon, j'en ai déjà deux finalement sur. Il euh, euh, y en a huit. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup. Bon, il y en a huit. Ça peut faire beaucoup, ça peut faire pas beaucoup selon certains, ça dépend. Mais huit pour une personne, oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais ça, c'est ma collection personnelle, en tout cas. Enfin, je pense. Je sais pas trop. Mais il y en a huit, donc pour l'instant, ça peut évoluer, ça peut changer d'ici cinq ans également. Mais sur ces 8 là, il y en a deux que j'ai véritablement, on peut le dire en tout cas qui sont présents chez moi. Est-ce qu'ils sont vraiment à moi pour l'instant, je sais pas mais bon. Mais ils sont présents chez moi et je pense que vous les savez parce que vous en avez déjà vu des vidéos. En tout cas, vous avez déjà vu, c'est sûr des plein de vidéos sur la chaîne sur la Yamaha XTX et sur la 106. Donc forcément euh, voilà. Pour les autres par contre euh, si la RS Viking elle apparaît plusieurs fois sur ma chaîne mais elle est pas à moi et ça c'est dommage. Puis sinon j'ai un un quad qui qui marche pas, qui qui fait des siennes un peu. celui là si je peux euh, je vais je je veux le remettre en état quand même mais en fait, j'ai pensé à un moment l'échanger contre un un Grizzly 350 quelque chose comme ça parce que bah, c'est ce que je veux, c'est ça ce que je veux en fait comme quad. Donc, on va parler de mon plus grand projet, mon projet principal ici en 2024. Euh, le ranch de Mayamaha. Ouais, c'est le nom que qui m'est venu comme ça. Le ranch de Mayamaha. Alors j'avais fait une, une, une entrée de portail. J'imagine bien le portail du ranch, ça va être un truc comme ça. Et donc c'est écrit sur les colonnes euh, lieu de refuge donc le ranch de Mayamaha lieu de refuge pour véhicules motorisés moto quad trimoto moto neige euh, moto marine aussi même si bon il y a pas trop de lacs euh, par là enfin il y, y a pas de y a pas la mer en tout cas là où je veux implanter mon ranch donc euh, voilà mais bon, le, on, va, on va dire que l'annexe motomarine, ça va être sur... Euh, peut-être sur Royan en Charente-Maritime, peut-être sur Saint-Florent en Corse. Euh, peut-être les deux, je sais pas. Et puis, euh, buggy, pour tout ce qui est buggy et SSV et tout ça, quoi. Et puis, certaines voitures, on avait dit la Peugeot 106, par exemple. Euh, des voitures un peu de ce style-là, mais des voitures de conception simple, en tout cas, je ne veux pas... Hein. Un SUV énorme bourré d'électronique avec les sièges chauffants et tout. Non, ça, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, c'est pas mon style, en tout cas. Ça n'est pas à mon goût. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça. C'est comme les, les grosses motos de style Harley-Davidson, tu vois, c'est, bah, je trouve ça joli, c'est vrai, mais c'est pas ce que j'achèterais, quoi. C'est pas, c'est pas mon style, quoi. Mais tu vois, il y a plein de, plein de trucs comme ça. Moi, mes préférences, euh, je suis sûr que vous avez, si je vous dis, je suis un robe, un rocker motard, vous avez l'image d'un Johnny en Harley Davidson qui chante du rock, voire même du hard rock, et qui est euh, à la limite euh, proche du diable, des enfers et tout ça. C'est le cliché, je dis. C'est c'est le cliché qu'on a du rocker motard, alors qu'en vrai c'est tout l'inverse. Non, au contraire, le le paradis. Enfin, on, on vise le paradis, quoi et euh, ceux qui iront en enfer c'est ceux qui ont des véhicules électriques surtout c'est mon point de vue en tout cas et donc euh, le l'image du rocker motard moi c'est complètement différent c'est la pop des années 60 un peu euh, les Beatles bien sûr mais plein d'autres petits groupes dans le même style dans les années 60 et puis la moto c'est pas du tout le style des années 60 pour le coup enfin moi mon style c'est les trails Enduro Super Motards des années 90-2000, quoi. Les Yamaha XTX, quoi. Donc, on en est où Ah, voilà, le ranch. Donc, la porte du ranch, vous entrez, vous avez... Euh... Moi, je vois en tout cas, de ce que j'imagine, imaginez avec moi, fermez les yeux et imaginez avec moi la porte du ranch, le portail, là, que j'ai déjà dessiné, donc ça, je peux vous le montrer. Le portail. Et ensuite, vous avez. Alors, moi, je vois. Euh, de ce que je vois, en tout cas, je vois deux bâtiments sur les côtés. Euh, voilà, à peu près en symétrique. Les bâtiments, ça va être plus ou moins les garages, je pense, de tous les membres et, et admirateurs de l'association et clients de l'association. Moi, je vois des, des garages là de chaque côté. Et des salles de mécanique, parce que ça va être aussi un endroit où on peut apprendre la mécanique et et faire de la mécanique surtout euh, donc des bâtiments comme ça puis aussi pour se mettre à l'abri donc il va y avoir tout ce qu'il faut WC toilettes enfin voilà quoi euh, voire même des douches s'il le faut s'il y en a qui veulent prendre des douches après je pense pas qu'il y aurait vraiment de quoi dormir enfin quoi que je sais pas il va y avoir les bureaux de l'association certainement aussi euh, je sais pas trop pour l'instant c'est très flou euh, tout ce que je vois c'est ma maison idéale mais je ne vois en fait, j'ai pas du tout envie que ça soit à la même adresse parce que pour moi la maison c'est c'est privé, tu vois, c'est c'est ma maison privée alors que au contraire, je veux que l'adresse du ranch soit euh, accessible à tous en fait. Donc il faudra deux adresses en réalité, enfin deux deux adresses différentes pas forcément très loin l'une de l'autre, non, au contraire, dans le même village, c'est bien. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a passé ces deux bâtiments-là, alors il y a des garages, il y a des parkings, je pense, des grands, des grands espaces pour se garer un peu. Euh, L'entrée, ça va être au, au niveau d'un chemin, dans la campagne, dans la montagne un peu, je pense. Voilà, je sais pas trop. C'est un lieu quand même, faut que ça soit accessible à tous, mais faut que ça soit paumé au milieu de nulle part quand même. Donc euh, voilà. Et ensuite là une fois que vous avez passé ces garages là et tous les bâtiments, eh ben là il y a un immense espace avec plein de il va y avoir peut-être de la forêt limite une mare des des champs des euh, de la végétation un peu plus basse et puis surtout une multitude de chemins une multitude de pistes dans le domaine euh, sur euh, j'avais dit sur trois hectares au hasard mais voilà on verra euh, une multitude de pistes pour faire de la moto, du quad, tout ce qu'il faut et en hiver de la moto neige aussi, un terrain de cross et tout quoi, ça sera un immense terrain de cross mais limite en conditions réelles il y aura plus de là, la... des pistes et de la forêt aussi, euh, voilà il y aura vraiment tout à peu près tous les tous les types de terrains quoi, je pense que ça sera un, un circuit, un domaine quelque chose d'incroyable mais faut que ça soit un domaine privé pour pas qu'on soit embêté faut que ça soit un, un domaine privé enfin qui appartienne à une association ou une entreprise mais voilà moi c'est ce que je vois en tout cas et là on pourra faire ce qu'on veut en tout cas en tant que tout ce qui est euh, véhicule moto quad moto neige buggy tout ça euh, ça va être plus tourné vers le tout terrain un peu ou vers la piste euh, il va y avoir donc je pense plusieurs euh, plusieurs endroits il va y avoir euh, des endroits un peu plus euh, très accidentés ou de franchissement ou je sais pas une sorte de terrain de crosse avec des bosses et tout ça et puis euh, à d'autres endroits des pistes vraiment très tranquilles pour pouvoir faire de la balade euh, toute simple ça c'est tous pour tous ceux qui veulent s'amuser pour faire les fous et tout ça après sinon si vous voulez faire simplement de la balade il y aura une multitude de chemins publics hein, tout autour je pense mais bon mais voilà, j'ai envie que ça soit aussi euh, en hiver. Quand ça devienne en hiver, ça devient enneigé. neige. Euh, ça devient un terrain de cross pour motoneige, en quelque sorte. Hein, voilà. Je sais que ça existe. Il y en a plein aux États-Unis. En France, je sais pas, mais aux États-Unis, au Canada, c'est très courant. Hein, le... Donc euh, forcément, euh... pourquoi on n'a pas ça en France, quoi Je comprends pas. Moi en tout cas je vais le créer, on pourra rien me dire parce que ça sera un terrain privé, donc euh, voilà. Un terrain de crosse pour motoneige, ça dérangera personne normalement. Donc voilà, on verra ce qu'on fera, mais pour tout type, en fait c'est un club hein, pour tout type de véhicules motorisés, qu'on soit passionné de moto, de quad, de motoneige, de moto marine, de buggy, de trimoto, même Enfin, les motos à trois roues que j'ai évoquées dans une précédente vidéo et puis même certaines voitures même les euh, si c'est tout plus euh, plus tourné vers le tout terrain ça pourrait être euh, ça pourra être adapté aux 4x4 et tout ça mais plus les petits 4x4 parce que les les gros euh, les gros machins qui font plus de deux tonnes ça sera je pense moins adapté mais les petits Suzuki Samurai ouais ça sera euh, c'est pas mal je pense comme terrain enfin tu vois j'ai plein d'ambitions j'ai plein de projets je pense pas que ça se réalise un jour, mais bon, on peut toujours rêver, on va voir ça. Mais je vous le dis comme ça, je vous le dis ce que je veux au moins, et on verra ce qu'on peut réaliser un de ces jours. Mais je vous le dis ce que je veux au moins, comme ça, ça sera fait. Et s'il y a quelqu'un, je dis, je je fais pas que pour moi, je fais pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi ou qui qui aiment les mêmes choses que moi, donc forcément. Euh, ceux qui sont à nouveau qui sont également comme moi passionnés de moto, de quad, de motoneige et tout ça euh, vous pouvez reprendre mon projet et le construire si vous voulez, si j'y arrive pas, vous y arriverez certainement. Et voilà. Mais bon, j'avais dit je l'appelle projet 2029, je ne sais pas si ça sera réalisé en 2029, on en est encore très tellement loin de réaliser ce projet. Euh, 2029, c'est dans 5 ans. 5 euh, ans ça passe vite, les 5 dernières années elles sont passées très vite j'ai l'impression donc euh, les 5 prochaines elles vont certainement passer aussi vite mais bon euh, on va voir et j'espère euh, j'espère pouvoir en tout cas euh, faire de la moto et du quad et tout ça quoi mais surtout euh, voilà c'est pas ma région là je suis actuellement en Indre et Loire et moi je veux descendre vers la Lozère euh, je disais Lozère Aveyron Cantal euh, Haute-Loire ces quatre départements là parce que euh, c'est pas mal il y a pas beaucoup de monde c'est assez désert on va dire enfin désert euh, voilà mais oui c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide un peu cette région là et donc forcément c'est pas très peuplé il y a pas beaucoup d'habitants mais euh, c'est ce qu'on recherche on veut un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde il y a quand même les qui est quand même les services basiques hein, c'est-à-dire euh, un garage une station essence euh, des commerces de première nécessité pas trop loin mais bon moi je j'habite euh... j'habite dans un village d'à peu près 1500 habitants où bon il y a quand même des commerces dans ce village mais on est habitué à faire dix kilomètres d'un côté ou de l'autre pour aller euh, faire les courses en fait, vu que les les premiers supermarchés ils se trouvent à dix kilomètres euh, du village dans les dans les deux sens quoi. Dix kilomètres d'un côté, dix kilomètres de l'autre, il y a une grande ville de chaque côté, enfin une grande ville, un chef-lieu de canton quoi de chaque côté. Et donc on est habitué à euh, pour aller faire le plein, j'ai ouais presque dix kilomètres hein, pour aller faire le plein. Donc euh, forcément, euh, voilà. Bon après, c'est quand même mieux d'avoir une station essence dans le village, mais bon... On va voir, on fait ce qu'on peut. Là, ce que j'avais visé. Euh, Nasbinal, c'est quand même un village de 600 habitants au milieu du plateau de l'Aubrac. Il euh, y a à peu près 600 habitants. Est-ce qu'il y a une station essence Je n'en sais rien parce que jusqu'à présent, c'est ça le problème. Je n'y ai jamais mis les pieds dans cette région, alors que j'aimerais bien y aller au moins pour faire du repérage et pour voir comment c'est, quoi. Bon, sinon, effectivement, il y a Espalion, c'est ce que je pensais, la première ville qui me vient pour moi, c'est Espalion. Ça a quand même plus de 35 kilomètres, hein, je crois, Espalion. C'est pas tout près, finalement. Mais il y a Aumont-Aubrac, qui est plus près. Aumont-Aubrac, c'est un peu plus, enfin, c'est moins grand qu'Espalion, mais c'est quand même un village assez important. Euh, et saint chély dapché qui se trouve pas très très loin non plus, qui est assez important. Et puis sinon il y a Saint-Flour euh, plus au nord. Et Saint-Flour c'est plus loin, c'est encore plus loin qu'Espalion pour le coup. Euh, sinon je connais euh, je connais des gens qui habitent sur Sévérac-le-Château dans l'Aveyron, c'est plus au sud. Sévérac-le-Château c'est à 56 kilomètres je crois au sud, à peu près une heure de route. Mais j'avais dit, tu vois, je, l'idéal, ça serait le plateau de l'Aubrac, mais ça peut être sur euh, les quatre départements que j'ai cités, c'est-à-dire Aveyron, Lozère, Cantal et Haute-Loire. Dans les, les régions, t'as le massif de Margeride aussi par là, la Margeride. Euh, le massif du Cantal, tout simplement. Avec la jolie petite ville de Murat. Et ça, pour le coup, Murat, j'y suis allé. J'y suis allé en 2022, il y a deux ans, donc. Euh, et Murat c'est magnifique, quoi. c'est à presque 1000 mètres d'altitude. Il y a un peu moins de 2000 habitants, il y a moins d'habitants que ce que je pensais, il y a 1800 habitants, quelque chose comme ça. Mais franchement c'est une petite ville bien sympa. Euh, pas très loin il y a la station de ski du Lioran d'ailleurs juste à côté de Murat, c'est dans les monts du Cantal juste au-dessus en fait. Euh, avec un point culminant à 1855 mètres Le plomb du Cantal c'est le point culminant du Cantal. Et le deuxième plus haut sommet du massif central, derrière le puits de Sancy, qui fait juste 30 mètres de plus, il y a le puits Marie aussi, qui est assez connu dans le Cantal, mais, et le point culminant du plateau de l'Aubrac, je crois que c'est entre 1400 et 1500 mètres d'altitude, je sais plus combien exactement, mais voilà. C'est en même temps le point culminant du département de l'Aveyron, d'ailleurs, je crois. Et par contre, le point culminant du département de la Lozère, c'est bah, le mont Lozère qui donne son nom au département, 1699 mètres d'altitude, 1700 si vous préférez. On compte aussi le mont Egual qui se trouve un peu plus au sud à la frontière avec le Gard et qui est donc le plus haut sommet du Gard, 1565 mètres d'altitude. Euh, et aussi dans la Haute-Loire. Parce qu'il faut pas oublier la Haute-Loire, c'est quand même assez montagneux finalement et on n'y pense pas forcément quand on pense aux montagnes. La Haute-Loire, le point culminant, c'est le mont Mezeng. Mezeng. Euh Apparemment, officiellement, ça se prononcerait le mont Mézin, mais je pense qu'avec l'accent local, ça se prononce le mont Mézeng. Et euh, le, le mont Mézeng, il culmine à plus de 1700 mètres d'altitude. Je sais plus combien exactement, mais c'est dans les 1700 mètres par là. Et pas très loin du mont Mézeng, il y a le village des Estables, qui serait apparemment le plus haut village du massif central apparemment, à environ 1300 mètres d'altitude. Sachant que Nasbinal, je crois que c'est à un peu moins de 1200 mètres d'altitude au niveau du village, peut-être 1170, quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais il me semble que c'est euh, environ 1200 mètres d'altitude. Donc voilà, je vous ai fait une carte de France d'ailleurs que j'ai peut-être déjà affichée à l'écran au montage, je sais plus. Une carte de France, donc sur les secteurs, sur les régions euh, où j'aimerais habiter ou pas. Il y a quatre niveaux. Hein, le Tout ce qui est en rouge, c'est à éviter. Donc on voit très bien que à éviter, on a surtout les grandes villes et ses environs, enfin l'Île-de-France, quoi, et Paris. Euh, Bordeaux et la Gironde, je l'ai mis dans à éviter aussi, même si euh, voilà, bon, c'est pas trop grave, mais Bordeaux, ça me fait pas du tout envie, tu vois. Et apparemment, c'est une ville super chère en plus, mais c'est pas du tout le coin où j'aimerais habiter. Bordeaux et la Gironde, quoi. c'est Ensuite, il y a l'agglomération de Toulouse que j'ai mis en à éviter aussi. Euh, le département du Rhône avec la ville de Lyon et puis euh, toutes les côtes méditerranéennes qu'on voit en rouge donc de Nice jusqu'à Béziers à peu près euh, pour ce qui est des environs de Narbonne et Perpignan je les ai mis à part mais euh, en tout cas de Nice à Béziers c'est à éviter quoi toutes les côtes de la Méditerranée jusque là et ensuite effectivement il reste en orange donc c'est toutes les régions qui me font pas spécialement envie plus que ça et on y trouve justement les régions avec un avec une étoile bleue ça désigne en fait les régions où j'ai de la famille ou où, où j'y habite et où j'ai de la famille. Donc euh, on a l'Indre-et-Loire, le loiret et cher la Vienne aussi. Je crois que j'avais mis. Enfin, j'avais mis le secteur poitou angoumois Ça regroupe la Vienne, les deux Sèvres et la Charente. Et la Charente-Maritime, par contre, je l'ai mis à part. Mais j'ai aussi de la famille par là. Euh, et il y a aussi, ouais, le Maine-et-Loire et, -Loire et le, le Loiret, la région d'Orléans. Voilà, donc ça fait toute une région un peu au centre-ouest de la France, et donc c'est toutes des départements orange, c'est-à-dire ça me fait pas envie plus que ça, mais avec une étoile bleue, donc euh, c'est les départements de ma famille, quoi. de. Voilà, quoi. Et ensuite le jaune, il y en a déjà pas mal, et le jaune, on remarque que c'est toutes les régions finalement où il y a un peu de montagne, un peu de relief. C'est, ça me tente bien, quoi, le... les régions jaunes. Et puis vert, on a les quatre départements en vert Aveyron, Lozère, Cantal, Haute-Loire. C'est vraiment les endroits où j'aimerais habiter, quoi. Donc je pense que là, vous avez le truc. Bon après, euh, cette région-là, c'est quand même à plus de six heures de route de chez moi, je crois par là. Euh, ça dépend si on prend l'autoroute ou pas, parce qu'il y a deux routes soit par l'autoroute A75 en passant par euh, Saint-Amand-Montrond, Clermont-Ferrand. Euh, et on sort vers Saint-Flour, certainement Saint-Flour ou Saint-Chély dapché euh, voilà, sur l'autoroute ouais à 71 et à 75. Ou soit on prend que les petites routes et dans ce cas-là on passe par euh, la vallée de la Creuse, on remonte la Creuse en fait jusqu'à Aubusson, puis après jusqu'à Ussel, et après Ussel on doit passer par Murat et euh... on passe pas par Aurillac, j'ai regardé, on passe pas par Aurillac. On passe par Murat et on doit rejoindre Saint-Flour après, je crois. Donc voilà, je vous donne ce projet-là. Il y a une vidéo qui sort demain qui s'appelle Ma maison idéale. C'est les plans même de la maison que j'ai réalisée en 2019. Et ensuite, vous imaginez ça avec huit véhicules euh, différents. Donc euh, euh, si ma mémoire est bonne, attends, je vais essayer de tous m'en souvenir. La Yamaha XTX. Euh, éventuellement la Yamaha Cero qui est hyper rare mais que j'aime bien aussi parce que c'est une moto de 225, enfin un peu plus de 200 centimètres cubes, donc à peu près la tranche de cylindrée que j'aime bien entre 200-250 tu vois, faut pas que ce soit une trop grosse cylindrée mais faut que ça soit assez puissant quand même, donc une moto moyenne on va dire, enfin petite et moyenne cylindrée moi je dis. C'est ce genre de moto qu'on voit pas assez sur les routes, je trouve. C'est dommage. Pourtant, j'ai appris à conduire là-dessus hein, sur une Vosge 300. Une sorte de moto dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui, se... qui est quand même assez connue, apparemment. Vosge 300R, ça ressemble à ça. Donc c'est une 300 cm3. Euh, donc voilà, c'est une moto. Euh... Une moto moyenne, on va dire. Et c'est une moto utilitaire à tout faire, une moto, euh, une moto de trail enduro super motard, pareil. En anglais, ils appellent ça apparemment dual sport, du, dual sport. Une moto de double sport, quoi. Enfin, je sais pas. Dual sport, c'est, pareil, c'est type de moto à tout faire, quoi. Ils font de la, de la route du chemin, de la, un peu du tout terrain, même si on veut. Ensuite j'avais mis quoi Le quad Grizzly 350, voilà, mais ça j'en ai assez parlé je pense. Si on peut le développer, que c'est un petit quad utilitaire avec démarrage électrique et démarrage manuel, parce que voilà pour moi il me fallait les deux. Un petit quad utilitaire 350 cm3, euh, petit quad agricole, quoi, avec deux portes bagages avant et arrière. Puis c'est fait pour faire de la piste, quoi, tout simplement, euh, voilà. C'est ce que j'ai envie de faire moi. Ensuite on a quoi Alors j'avais mis le, j'avais mis les motoneiges il me semble, je crois après. Ah oui après on a effectivement la fameuse trimoto, hein, la YTM 225 DX, c'est ça. Mais qu'on appelle aussi trimoto. Euh, donc c'est une sorte de moto à trois roues de quad à trois roues. Devant à une moto, derrière t'as un quad. Et donc voilà. Mais euh, c'est quand même un peu plus proche des quads finalement en construction puisque t'as aussi le démarrage à la corde comme sur un quad, alors que les motos ont plus un démarrage au kick en général. Euh, c'est un moteur de quad à la base en fait, voilà. Mais j'en avais déjà parlé plus détaillé dans une vidéo euh, précédente qui est sortie il y a quelques jours. En vrai, au moment où je tourne la vidéo, elle est sortie ce matin la vidéo. Donc euh, vous pouvez aller la voir. Donc les trimoto, c'est moins connu que les Honda ATC mais euh, c'est presque la même chose en fait. C'est peut-être même mieux que les Honda ATC, je crois parce que j'ai cru voir une vidéo en anglais de review là-dessus où il disait que le, le Yamaha était limite mieux que le Honda ATC. Mais après tout est subjectif hein, je pense mais bon. Mais en tout cas, moi il me fait bien envie ce petit véhicule là pour aller dans le dans le domaine là justement, dans le grand domaine de de 3 hectares. Donc euh, voilà, ça on peut pas prévoir à l'avance la taille et la et les plans du domaine, hein. c'est à voir sur place et à voir en fonction de ce qu'on trouvera quoi, forcément. Ensuite, à ah, la RS Viking, la fameuse RS Viking. Bon ça c'est une grosse motoneige utilitaire. La grande snowmo, tu vois, je l'avais appelée snowmo pour snowmobile en fait. Euh, c'est comme ça qu'on dit une motoneige en anglais, ils appellent ça snowmobile c'est moi je l'appelle la moto neige du père noël parce que là où j'allais en vacances euh, à noël eh ben c'est ce que le père noël il avait une rs viking pour distribuer les cadeaux dans le dans le village bon j'en ai déjà parlé hein, c'était saint françois longchamp en savoie euh, mais je sais pas pourquoi récemment il a changé pour une lynx commander je connais pas trop ce modèle moi je préfère largement la rs viking hein, franchement ma rs viking là. Une belle utilitaire pour euh, distribuer les cadeaux à Noël et pour faire plein de travaux utilitaires d'ailleurs, hein, parce que ça peut servir euh, au Canada par exemple, ils s'en servent, enfin on dit souvent Canada, mais même si on va en Suède, en Norvège, en Finlande, tout ça, les pays du nord de l'Europe en général, où il y a beaucoup de forêts et beaucoup de neige, eh bien ils s'en servent beaucoup pour tirer des arbres hein, tout simplement, pour tirer du bois, quoi. C'est une motoneige pour faire du bois, quoi. C'est pour faire des travaux utilitaires. Ensuite, on a la un peu plus petite et plus ancienne, euh, mais celle-là je l'ai choisie parce que oui, elle a le démarrage au recoil starter, quoi. Démarrage au lanceur là-dessus, euh, et elle a aussi le démarrage électrique, parce que on va pas faire une vidéo hyper longue dessus. Il y aura peut-être une vidéo dédiée là-dessus, mais euh, à l'époque, dans les années 90-2000, la plupart des motoneiges en fait avaient plus un moteur de temps et elles avaient euh, démarrage au, au recoil starter au lanceur à la corde quoi. Démarrage à la corde manuel. Là c'est un petit moteur bicylindre, 600 cm3. Euh, oui donc les motoneiges de l'époque effectivement, elles avaient souvent le démarrage manuel au recoil starter mais euh, beaucoup, enfin pas toujours le démarreur électrique. Les Yamaha, elles l'avaient le plus souvent, le démarreur électrique. Mais euh, par exemple, les Polaris l'avaient pas toujours, c'était en option, je crois. Euh, Polaris, Arctic Cat, il y avait les Skidoo aussi. Enfin voilà, moi c'est surtout ouais, Yamaha, Polaris et Arctic Cat en particulier. Mais oui, la, la Yamaha Venture 600, c'est une de mes préférées. Et... Voilà, c'est une belle petite motoneige pour faire de la balade pour faire de la piste quoi c'est pas une moto neige de, de deep snow comme on appelle ça de de grosse poudreuse c'est plus pour faire de la piste ça je pense comme la rs viking c'est fait pour faire de la piste euh, en plus du fait que c'est fait pour faire pour tirer du bois celle là je pense que vaut mieux éviter de tirer du bois ou des trop grosses des trop gros troncs avec mais la rs viking je crois qu'effectivement c'est c'est fait pour tirer du bois quoi pour euh, et la 620 venture c'est pour euh, pour faire de la piste, pour faire de la balade tranquille. Mais c'est surtout qu'effectivement elle a le démarrage électrique et aussi le démarrage manuel au cas où la batterie serait à plat. Et puis moi j'ai toujours rêvé de démarrer une moto neige au recoil starter comme ça, parce que ça a l'air d'être des gros moteurs des fois 600, 800 centimètres euh... cubes. Moi, j'ai souvenir, enfin, je l'ai encore, hein, d'un quad 600 cm3 qui est hyper dur à démarrer. Donc, euh, je vais voir si ça se démarre facilement, ça. Mais, mais oui, euh, 600 cm3, ça commence à être costaud à démarrer manuellement, en tout cas. Bon, on verra. Bah, ensuite, le fameux Yamaha Rhino. Euh, pareil, un petit véhicule utilitaire. Un, un petit SSV utilitaire. Ce qu'on appelle un UTV en anglais américain. UTV quoi. Et donc euh, voilà, c'est un petit véhicule, c'est la même base moteur que le Grizzly 660 ou 700. Euh, de 686 cm3 de ce que j'ai pu voir. Il a été produit de 2004 à 2012, je crois, le Rhino. Et c'est ouais. Euh, C'était le principal véhicule utilitaire de Yamaha comme ça. Avant qu'ils aient sorti les Wolverine, parce que Wolverine, ça c'est plus récent, les Wolverine et... Euh, et Viking, je crois qu'ils s'appellent aussi les Yamaha Viking avec trois places devant là. Mais euh, ouais, surtout les Wolverines qui sont très connus et ça c'est plus récent les Wolverines. Je sais plus quand ça a été, euh, je crois que c'est 2015 la première année de production. Mais le Rhino ça a l'air plus ancien et puis surtout c'est une conception plus simple. Là pour le coup t'as un châssis tubulaire métallique euh, avec deux, euh, deux carénages en plastique là à l'avant, à l'arrière, enfin tout simple quoi. Et puis le moteur, c'est un moteur monocylindre de quad, petit véhicule utilitaire, euh, châssis tubulaire. Du coup, c'est plus léger. Il fait que 480 kilos, je crois celui-là. Il me semble que c'est ça. C'est dans les 480 kilos, donc c'est assez, euh, assez léger comme véhicule quand même, euh, par rapport aux Wolverine qui font plus de 600 kilos, je crois. Bon, après, ça a toujours été quand même, en général. Un, un, un petit buggy comme ça ça fait autour de 500 600 kilos ça dépend à peu près en général c'est par là c'est à peu près dans ces dans ces eaux là et un quad c'est environ 300 kilos enfin ça dépend les gros CF moto Canam et tout ça ils font plus de 300 voire même proche des 400 kilos alors qu'un petit euh, Grizzly 350 je crois que ça fait euh, 250 kilos quelque chose comme ça et puis les petits quads de style Raptor et tout ça, là, ça fait que 150 kilos, tu vois, c'est beaucoup plus léger. C'est comme les motos, t'as plusieurs, euh, les motos, il y a plusieurs euh, types. T'as des motos, euh, des motos qui sont hyper lourdes. Bon, les plus lourdes, c'est les Goldwing et tout ça, ça c'est énorme pour le coup. Même les grosses motos routières, là, qui font plus de 200 kilos, ça c'est c'est énorme et c'est pas pour moi, quoi, sur euh, sur deux roues, il faut que ça fasse entre 100 et 150 kilos, pas plus. Donc oui, après, ça va être les Enduro Super motards. Ça fait en général 110, 120 kilos, enfin, ça dépend, c'est pas lourd en général. Et puis les motos de petite cylindrée, quoi, de petite et moyenne cylindrée, ça fait moins de 150 kilos en général. Mais en général, ouais, une moto, c'est... Faut que ça soit léger, quoi, faut que ça soit... Moi je préfère les motos légères en tout cas c'est sûr. Les motos qui font moins de 150 voire moins de 130 kg même. Après j'ai jamais vraiment conduit de grosses cylindrées non plus. Hein. J'ai conduit des 300 cm cubes, mais voilà c'est tout. Mais ouais j'aurais bien aimé au moins essayer la, la fameuse DR650 à papa. Bon il l'a vendue depuis longtemps mais voilà. La DR650, ça a l'air d'être un, un gros moteur dans une moto euh, assez petite et assez légère, finalement. Elle fait, je crois, 150 kg à vide, un truc comme ça, pour un moteur de 650 cm3. Un gros monocylindre, quoi. Bon, à voir. Et ensuite, on a, ah oui, la 106, mais la 106, je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire beaucoup de précisions. Voilà, quoi, c'est... Une... Surtout la 106, je le répète à chaque fois mais bon, je pense que c'est important de le dire. C'est une des dernières voitures euh, assez simple en conception sans électronique et tout ça quoi. Avec juste un châssis et un moteur quoi. C'est pour ça que pour ça que je l'aime bien. Donc ouais, euh, l'idée de la 106, c'est pas mal. Après, euh, j'ai mis huit véhicules en intro. Ah oui, puis la 106, c'est surtout une voiture très légère, elle fait que 860 kilos. Donc c'est quand même léger par rapport aux gros SUV qui font parfois plus de 2 tonnes, hein, bien sûr, voilà. Moi je dis que l'avenir, c'est ça. En fait, l'avenir, la voiture de demain, elle ressemble à celle d'hier. C'est une voiture toute simple, sans électronique superflue, avec que de la mécanique basique. Et une voiture légère, hein, qui fait moins d'une tonne, moins de. Même moins de 800 kilos si on peut. Une deux chevaux ça faisait 500-600 kilos je crois quelque chose comme ça. Ouais on a souvent la deux chevaux comme image de la voiture simple, la plus simple possible. Mais ouais c'est un peu ça quoi. La deux -de chevaux Donc voilà j'espère que ça vous a plu et euh, si tout se passe bien on se retrouve dans ce ranch voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Bon, bah, au revoir, donc. Alors. Voilà. Bon, bah, voilà. À bientôt, alors. À bientôt, et puis surtout à demain, puisque cette semaine, je sors des vidéos à peu près tous les jours. Euh, ouais, tous les jours jusqu'au samedi 21. Je pense que après, vous n'en aurez plus autant, donc, euh, profitez-en. Euh, voilà et j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez compris mon projet que ça vous plaît également que vous aimerez bien y aller voir parce que c'est censé être accessible à tous enfin à tous faut être passionné quand même de ces véhicules parce que sinon ça sert pas à grand chose mais voilà je pense que vous avez compris donc voilà à bientôt à tous.